De retour en Aquitaine, après de multiples allers-retours entre plusieurs capitales européennes, je vis désormais en pleine campagne où je me consacre entièrement à la littérature. Je viens notamment de publier chez Edilivre un roman qui parle de la jeunesse des années 70 dans une petite ville de province. Loin d'être une biographie, un calicot au cœur, mon premier roman est avant tout la peinture d'une société et d'une époque désormais révolue. J'en parle avec beaucoup de tendresse, parfois avec humour, sans jamais tomber dans la vulgarité.